Mamie, vous êtes arrivée et je vous remercie. Amen. Les élèves n'ont même pas levé. Ici, nous allons prendre nos Bibles pour lire. Ah, Léa, Bible à Saint Molir. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17. On t'a livré Matthieu, comment on la Bible dit ceci. La Bible lui a dit. Nous lirons à partir du verset 11, mais nous commençons au verset 9. C'est là où nous allons glaner ce soir. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Les disciples lui posèrent cette question, pourquoi donc l'Esprit disait-il que Élie doit venir premièrement? Il a répondu que lui doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis que lui est déjà venu, qu'ils ne l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Pour votre curiosité, j'aimerais qu'on puisse prendre le verset premier parce qu'on va dire quelque chose là-dessus, les deux premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère et les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Et tu es chien de Ida, Jésus et Jean, Pierre et Jacques. Il fut transfiguré devant et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je laisserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Dieu notre Père Céleste, c'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble ce soir. On a quand même un petit mot pour et tu as dit dans la parole, l'homme ne vit pas seulement. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors laisse ton onction descendre sur nous ce soir. Afin que nous puissions parler à ton peuple pour une bénédiction spirituelle. Et puisses-tu délivrer ceux qui vont entendre la parole. Et puisses-tu donner à chacun selon le désir de son cœur. Visite tes enfants, Seigneur Dieu. Et accomplis tes œuvres dans leur vie. Le nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Jésus-Christ, nous avons supplié avec foi. C'est ma bonne de la foi. C'est le Dieu tout-puissant. Bon, je m'en parie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bon, amen. Jésus-Christ, amen. Merci pour vous asseoir. Merci beaucoup, mes chers amis. Je vais aller voir, bien. Que Dieu bénisse sa patrie. Amen. Ah ok, on m'a dit que Frère Lévi est ici. Adam dit Frère Lévi le compte. Il est aussi Frère Lévi. Ah, que le Seigneur te bénisse, soit un excellent affaire. J'aimerais bien que ce soit un frère. Ah, je m'en prie, souffre avec ce cadeau là. Grâce, vous m'en avez ce cadeau là. Toujours aussi le gros voiture. Toujours la campagne. Ça bénit mon frère, que Dieu te bénisse. J'aimerais bien que ce soit un frère. Alors, je vous disais notre foi, mes chers amis. Non, tu es bon, Dieu te bénisse, Seigneur. Je vous disais l'autre fois en prêchant sur le commandement, j'avais introduit quelque chose qui était très important pour nous. Mais le commandement qu'il est bon pour nous. La chose, c'est ce que Abraham, notre père, avait fait là-bas dans l'Ancien Testament avant sa mort. Dans ma capille, Abraham était à sa et je vous ai montré qu'Abraham avait beaucoup d'enfants venant de différentes femmes. Par Sarah, il a eu Isaac. Par Agar, il a eu Ismaël. Et par Ketura, il a eu encore d'autres femmes. D'autres enfants.
Donc, il avait beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui sont issus de l'union légale. Les autres sont venus par des unions illégales. Et je vous ai montré que quand son temps de partir arriva, il avait réuni tous ses enfants et il les a divisés en deux. Tous les autres enfants, il les a mis d'un côté et Isaac seul était de l'autre côté. Et je voulais vous montrer par là ce que le Seigneur a fait pour nous aujourd'hui entre nous et la dénomination. Et je vous ai dit que tout enfant d'Israël, tout enfant d'Abraham n'est pas fils de promesse. Il a partagé toutes ces choses. Mais il a donné le don aux enfants des concubines. Et il a donné tous ses biens à Isaac. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il les a éloignés loin d'Isaac. En d'autres termes, il les a fait partie du territoire. Oh, c'est une quoi? C'est une concession royale. Non, c'est compliqué. Bon, ben non, on calme. Il les a éloignés pour que ses enfants ne rient pas ce territoire avec Isaac. Depuis voilà, là, depuis voilà. Bon, ben, quand ça va, ça, pour y'a, bien Isaac. Et quand Paul vint plus tard dans Galates 4 pour dire la semence ne rient pas avec là-bas. Et je veux dire que de la même manière que Dieu avait tellement aimé Israël, Dieu aussi aime l'épouse de la même manière. Et il a donné à la dénomination les petits dons qui peuvent avoir des sons, des visions, de parler en langue, tout ce que vous voyez. Mais à l'épouse, il a donné sa plénitude. Et si vous lisez dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit est donné paragraphe 20, comment on dit? Tout ce que Dieu en Dieu a été déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'épouse. Dans l'épouse à la plénitude de la divinité. Et vous avez en vous une onction royale. Et c'est cette onction royale qui fait la différence entre nous et toutes les autres organisations. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui en ce temps d'histoire. Et si Jésus-Christ ne vous avait pas aimé, il n'allait pas vous envoyer ce glorieux message, ou bien vous révéler ce glorieux message. Et comment on dit que le temps arrive où nous allons quitter la terre. Et comment on continue de dire que vous soyez prêts ou pas prêts, vous allez partir. Après, donc, arrangeons-nous bien parce qu'on va partir. Alors, voyons que Abraham a donné à Isaac tous ses biens. Et que Dieu vous a donné toute la divinité. Et que Dieu m'a parlé au commande de ça. Comme Esther pouvait recevoir, pouvait choisir, n'est-ce pas, d'habiter une qualité avec le roi. Esther n'a pas regardé à tous les dieux qu'elle pouvait trouver dans le palais royal. Mais Esther a regardé au roi lui-même. C'est parce que Esther savait que si elle peut conquérir le roi, alors elle aura tous les autres dons. Et en Christ, nous avons tout. C'est pourquoi je pense qu'il était important que je parle sur les promesses infaillibles du Dieu vivant. Et nous allons lire dans Luc chapitre 1er verset 45. Et il est heureuse celle qui a cru. Car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
toutes les promesses que Dieu vous a données. Vont s'accomplir. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, les promesses divines ne passeront jamais. Alors nous allons commencer à parler de la grande promesse de ce cœur, qui est la promesse de marcher 4. N'êtes-vous pas heureuse, l'église de Côte-Soto? La promesse de Marachika. Et je vous ai montré qu'il y a trois facteurs dans cette promesse. Le premier, c'est l'auteur de la promesse. Le deuxième, c'est le messager ou bien celui qui vient apporter la promesse. Et le troisième, c'est le destinataire. Si vous pouvez comprendre des choses comme moi, le messager n'a rien. En soi, ce message n'est pas le message de madame, mais c'est le message de l'épouse. Parce que Frère madame n'est qu'un simple couloir, couloir de transmission. C'est un canal par lequel le message quitte le cœur pour atteindre le destinataire, mais ça passe par un couloir. Et maintenant, après, je vous donne un exemple simple. Mais pas de kilo. Je prends mon stylo, j'écris un message. Et je mets ça dans une enveloppe. Pour le frère. Oh, t'as dit le frère. Mais je donne à ce frère pour donner à ce frère-là. Non, mais pas frère, yo, mon papa, non. C'est le message qui est venu de moi. On va quand même ça après. C'est pour le frère. Amen. Après. Mais comme je ne peux pas me déplacer moi-même pour venir donner la lettre. Bon, on se met là pour le. Non, il me l'a pour moi la palette. Je donne à ce frère. Et puis frère. Pour donner à ce frère. L'affaire, on peut faire. Vous voyez que lui, il n'a rien. Oui. Viens, tu n'as rien. Il n'y a qu'un simple canal par lequel mon message atteint le destinataire. Donc, quand il dit là, un message, elle te prend pour moi. C'est exactement comme ça avec le message de William Branham. Je vais contribuer au message après Branham. Donc, l'élément capital dans ce message, c'est Dieu et toi. Donc, j'ai un signe, on t'a un message de nous. Je veux un nom. Comme Dieu ne fait qu'un sur la terre. Sans révéler ce secret à ses serviteurs, les prophètes, il a choisi William Marlon Branham pour lui révéler exactement ce qui sera dit à l'époux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais moi, la Bible dit 5 jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit, et tu es chaud, Maïda. Je vais donner Jacques et Jean et le conduisit sur une haute montagne. Dans la ville, vous voulez courir. On met ça ici. Ah. Le conduisit sur une haute montagne. On vient voir le courir. J'aime quand les gens comprennent. Mais déjà, tu es dans la loi. C'est un jour après. Et tu es chameillé. Six jours après, et tout échappe, et il. Dans un français simple, ça veut dire après six jours. Bon, on a dit, Amen, et tout échappe. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne. Jésus a eu Pierre, Jacques, dans la Jean, au milieu de l'eau. Vous avez remarqué, Jésus avait beaucoup de disciples. Mais là, on est Jésus qui n'a pas de disciples, oui. Mais là-bas, sur la montagne de la transfiguration,
Il n'a mené que toi. Les autres sont restés en bas. Amen. Au pied de la montagne. Amen. Mais Pierre, Jacques et Jean furent conduits jusqu'au sommet. Amen. Pierre, Jacques et Jean, a dit pour dire à nous. Jésus avait des choses qui veulent parler à ces trois qui ne veulent pas que les autres comprennent. Amen. Je veux que la base vous doit vous amener. Nous sommes si nombreux dans les messages de Frère Branham. Nous avons beaucoup de prédicateurs. Il y a certaines choses qui s'échappent à d'autres prédicateurs. C'est pourquoi ce qui fait la force d'une église, c'est la grandeur de la révélation que le Seigneur donne à son pasteur. Il y a des gens qui ont été mis en église. Jésus-Christ a pris Pierre, Jacques et Jean et le conduit sur une haute montagne. Jésus est Pierre, Jacques et Jean. Je suis arrivé là-bas. Mais là, tu vois. Et il fait très froid là-bas. Quoi, père? Pierre, Jacques et Jean. Comprenez-moi très bien. Je ne vais pas être rapide. Pierre, Jacques et Jean. Il va bien, mais caca. Pierre, Jacques et Jean. Bien à Jean. Ils s'amènent là-bas. Et bien quoi? Les autres sont restés ici. Maman a signé. Et la Bible dit quand il arriva là-bas, Jésus-Christ fut transfiguré. La Bible dit que quoi? Jésus, au rouge. Et sa figure devenait comme la lumière. Bon, Dieu vient de là. Il fut transfiguré devant eux. Donc, on est venu là-bas. Son visage resplendit comme le soleil. Bon, Dieu vient de là. Et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Non, pas les appels, vous m'oubliez pas. Donc, le Jésus qui était là-bas sur la montagne de la consolation, Jésus a fait quoi le courant ou la lumière? Ce n'est pas la même forme qu'il était monté. Il est monté avec une autre femme. Quand il est arrivé là-bas, il s'est transfiguré ou changé de forme. Et quand vous remarquez très bien, il est parlé de transfigure. Visage changé. Donc il a changé son visage. Donc le visage que les trois apôtres regardaient là-bas sur la montagne n'est pas le même visage avec lequel ils sont montés. Je veux votre amen. Retenez Matthieu chapitre 17. Alléluia Matthieu chapitre combien? Nous allons revenir. Allons-y dans Apocalypse chapitre 1. Les maillots de Apocalypse 1. Je vous enseigne, ok? Amen. Et Israël. La Bible dit à partir du verset. Ok. Nous allons voir aussi transfiguré ici. C'est le chapitre 1. Ok, nous prenons le verset. Ok, bon, allons-y un peu dans le verset 9. On peut prendre quelque chose dans le temps. La Bible dit, ok, mais ça va. D'accord. Ok, ok, j'ai trouvé, je crois. Bon, lisons le verset 12. Je me retournais pour vous savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanche comme la neige. Ses cheveux
était comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme il était embrassé dans une fournaise. La Bible dit. La Bible dit. Je prends le verset. Ok. Sa bouche, de sa bouche sortait une épée à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez que la même personne que Jean avait vu là-bas, n'est-ce pas, les autres ont vu là-bas sur Matthieu, c'est la même personne qui a pris la même forme ici dans Apocalypse. Vous voyez, elle a pris le même complet à Matthieu, on a comme Jean. Parce que son visage était comme le soleil. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Amen. Nous prenons Apocalypse 10. Léa, Apocalypse, pour. J'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, qui était un arc-en-ciel. Le mot là, je vais parler de cela. Et son visage était comme le soleil. Bon, il y a une brutale. Donc, vous l'avez marqué de la même forme qu'il a prise dans Matthieu 17. Au chemin d'ailleurs, Matthieu 17. C'est la même forme qu'il a prise au cours des âges quand Jean l'a vu. Amen. Et c'est la même forme qu'il a prise quand le septième saut s'ouvre. Parce que frère, on dit quand le septième saut, après ce 8, 1, est ouvert, il y a un silence. Amen. Et frère, madame dit, si vous le connaissez, ce silence. Lisez Apocalypse chapitre 10. Alléluia, après chapitre 1. Donc ce que vous voyez dans Apocalypse 10 n'est rien d'autre que ce qui s'est passé dans le silence d'Apocalypse 8. On a quand même là, il y a un chapitre qui est chaud. Apocalypse chapitre 10 n'est rien d'autre que la révélation du mystère du silence d'Apocalypse 8. Après ce qu'on a gardé, là, on dit, on t'a dit, il est soigné. C'est la même personne. Vous le dites vraiment. Vous voyez, au début des âges, je l'ai même allé dans les âges. Je le vois avec la même forme. J'ai vraiment le souvent. Il n'y a pas la même. Maintenant, là-bas, dans Apocalypse 10, à l'ouverture du 7e saut, ou bien à la révélation du mystère d'Apocalypse 8, nous nous remarquons qu'il a la même forme de la figure comme le soleil. N'oubliez pas ceci. Allez, quand Étienne est entré dans la vision, il est Étienne, il a vu le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Amen. Et quand il continue à relater sa vision, il a dit qu'il a vu debout. Si vous comprenez du temps. Mais quand Jean voit la même personne au milieu des églises, bien dans les églises, cette personne-là n'était plus debout, mais la Bible dit qu'il marchait au milieu de cette chandelier. Comme il y a seulement 7 âges. Les âges du. Donc il est en train de marcher. Si vous me permettez, je peux dire des choses. Sa marche prend fin au 7e âge. Et Daniel, au revoir. On a Jonja. Donc en propre terme, quand Jean le voyait, il était en train de venir pour l'ouverture de son. Alléluia. Alors Jean fait le mois de décembre avec la même femme qu'il a vu au milieu des âges. Et la même femme qui s'est passée là-bas dans Apocalypse, dans Matthieu chapitre 17. Et William Branham puis dans la rochine, le son incertain. William Branham a dit, on t'a conçu, madame, le son du bois. Paragraphe 383. Cette forme. Donc,
cette forme-là, c'est la manière dont il va venir. On a consommé à la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi? La manière. Amen. Je crois que c'est là. C'est pourquoi nous sommes différents de la dénomination. Il croit à l'ennemi du Seigneur. Il croit que Jésus va venir. Il croit que Jésus va venir. Mais il ne savent pas comment Jésus Christ va venir. Il viendra dans une nuée de gloire. Par ce petit nuage. Alléluia. Mais dans une nuée de gloire. La vérité. C'est comme cela qu'il reviendra. Amen. Israël le verra comme ça. Amen. Israël a le monde voir. Après, il va le voir comme l'homme avec des cicatrices. Amen. Amen. Afin d'accomplir Zacharie. Moi, c'est ça qu'il y a au doigt. Il dit que c'est dans la maison de mes frères que j'ai reçu ça. On a voté un peu après la même nationale. Et nous, les gens de nation, ah, ça, les barbares de nation, nous le verrons comme ça. Les gens vont le voir. Et après, nous allons le voir aussi avec chaque cicatrice. On va s'appeler mon délai, ma mondiale. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était allé au ciel, il a marché. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ marchait comme un homme. C'était un temps vite. Et puis le milieu est là. La nuée l'a pris. La nuée l'a environné. Le corps physique était caché dans la nuée. Et après Jésus-Christ a disparu. Alors pendant que les disciples étaient là en train de regarder au ciel, un ange est apparu dedans. Ils sont pire aux disciples. Pourquoi arrêtez-vous de regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu aller au ciel. Regardez de la même manière que vous avez dit, partez au ciel. C'est bon, 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 c'est la nuée à la chair, c'est un processus. On va capable de vous allez le voir physiquement, frère, mon âme, ça ne se passera pas sur la terre, c'est de l'autre côté. Et ça sera la fin du processus. Maintenant, nous allons entendre la même chose. La Bible dit 6 jours après. La Bible dit, et tu es seul, et la maman. Je suis à pris pierre chaque jour. Je veux les pierres, j'appelle les gens. Et bien, la suite de haute de montagne. Depuis que l'on pouvait. 6 jours après. Et tu es seul, et la maman. Tu vas commencer à te profiter. Ah, comment ça doit? Ça veut dire. Ça veut dire. Que cet événement-là. Et maman. Ce
se passer au septième jour. Jésus n'a jamais changé de figure. Je ne sais pas changer rien. Mais la part de Matthieu, il a changé de figure au septième jour. Ok, Matthieu, il a changé de figure. Et ce septième jour est un petit pas. Tout le monde a dit ça. Du septième âge de l'église. Il a pris Pierre. Pierre. Mais même Pierre, c'est la foi. Et Pierre, à Kalila. Il a pris Jacques. Jacques. C'est l'espérance. Et il a pris Jean. C'est l'amour. Vous voulez parler de Dieu? Dans la côté de l'adoption spirituelle, le Père Jacques et Jean représente ma foi, l'espérance et l'amour. Et parlant de ceci, c'est proche aux enfants d'en vous. Elle vous rapproche du royaume. Vous ne pouvez pas être chrétien sans la foi. Parce que la foi est une révélation. Vous ne pouvez pas être chrétien sans l'espérance. Vous devez espérer à quelque chose. Mais tu ne peux pas être chrétien sans l'amour. Et je vais vous dire que les trois personnes qu'il a amenées là-bas représentent les 144 livres. Les 144 livres. Qui sont les chiffres. Dis amen. Mais pas là-bas en haut. Il y a eu l'apparition d'Élie. Et qui l'Élie? Mais il y a eu l'apparition de Moïse. Et qui l'a Moïse? Moïse et Élie à Paris. Moïse et Élie à Touré. Avec Jésus lui-même. Là, Jésus est venu. Parce qu'ils sont là-bas. Voilà quoi? Ils ont une lumineuse. Les brûlés, les environnants. Les vivants. Et une fois ce qui entend grain du ciel, tout le monde va se trouver. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. En temps marché trop quand je suis baptisé. La même voix a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui je mets mon affection. Point. Point. Assumez-moi. Dans ma chaîne, quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui je mets toute mon affection? Point. Assumez-moi. Dans ma chaîne, celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui je mets toute mon affection? Écoutez-le. Point. Donc, là-bas, c'est simplement mon affection. Point. Et ensuite, c'est mon affection, écoutez-le. Prenons le Matthieu, chapitre 3, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oui. Mais Matthieu, tu sais quoi? C'est l'adoption. Mais c'est l'adoption. Tiens, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut naître dans la famille de Dieu. Afin que Dieu puisse vous adopter. Et quand vous êtes adopté, vous devenez un partenaire de Dieu. Vous devenez un ami de Dieu. Vous avez quelque chose? Vous devenez un écouteur. Un canal par lequel Dieu peut parler, agir, guérir, prêcher et dire amen. Et une personne qui est adoptée, il a le pouvoir de manipuler la nature. Et quand il parle, c'est Dieu qui parle.
Je vous dis que Jérusalem surprend une personne adoptée. Dieu est obligé d'accomplir tout ce qu'il demande. Non, je vais être vrai. Il n'y a pas de mysticisme là-dedans. C'est un problème d'adoption. Quand Dieu adopta Adam, alléluia. Au sixième jour, Dieu s'est reposé. Au septième jour, il dit Adam, viens. Tu l'as jardé d'Adam. Et je vous dis que le septième jour, c'était le matin. Amen. Et le soir, Dieu a fait la dent. Amen. Moi, je te colore, j'ai voulu la dent. Nommez-moi les bêtes. Papa, il y en a un coup. Donnez-les le nom. Papa, un coup. Allons dire, ça c'est lion. Amen. Regardez le nom. Je dis Amen. J'ai dit les voix. Ça c'est le Seigneur. Je dis Amen. Je dis Amen. J'ai dit les voix. Ça c'est le corps. Le reçu. Je dis Amen. J'appelle quoi? Pourquoi? Maman. Parce que Adam de l'adoption devient l'image de Dieu. Adam, autour sur le roi. On va faire tout le monde. Et l'image de Dieu, c'est Dieu dans le négatif. Je m'attends un homme. C'est Dieu. Mais dans le négatif. Oui. C'est ça. Personne de Dieu. Arrivera à l'adoption. Yes. Afin de manifester le troisième pour. Pierre, Jacques, les gens. Représente les 144 000, c'est-à-dire les juifs. On m'a voulu pour lui, à juifs, à 144 000. Tu me sens permis de vous donner des révélations. Amen. Oui, la parole de Moïse représente. Vous l'avez entendu, Moïse, mon cas. Tous les saints qui sont décédés du premier âge au septième âge le matin. Le matin. Et Élie représente le messager du septième âge et son groupe qui seront translatés. On va faire tout le monde. Je veux que vous puissiez me dire pourquoi je vous prêche. Mais ça n'a rien à me concerner. La montagne de la transfiguration. Élie représente Frère Branham et vous. Élie, on va faire Frère Branham avec. Oh, je ne sais pas si je peux parler ça. C'est mon frère Branham dit après l'ouverture de cette eau. Il y a des frères à dire, Dieu a supprimé la possibilité des âmes en sommeil. Amen. Et tu m'as dit toi. Alléluia. Dieu a supprimé. La possibilité. En somme, le sommeil des âmes. Et tu m'as mis de l'étonne. C'est dans le saut. Amen. C'est dans le cinquième saut. Amen. Dieu a supprimé ça. Amen. Dieu a marché sa carte. Frère Branham dit, quand vous quittez la terre, Branham dit, mon tiens. Votre corps se divise ou bien se sépare en deux. Amen. Il est quand même un tiens. La partie de la chair reparte pour accomplir l'écriture de Genèse qui dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et mon sauveur, on arrive à ta Genèse dit on va encore pousser, on va à ta poussière. Vraiment, c'est force que je vais vous dire. Et c'est l'intérieur qui va directement sous l'autel. Et il est l'intérieur. Maintenant, maman, il vous est dans un avion. Il y a un avion. Et que l'avion a fait crash en haut. Et qu'avion a fait crash en haut. Pendant que l'avion a fait crash, l'avion a fait crash. Et l'être descend pour venir s'écraser. Yeah. Tout
toi tu ne seras pas écrasé. Ouais. Ouais. L'homme intérieur. Votre âme. Prend la forme première. Yes. Oui, yes. Tu es l'image de Dieu. C'est que nous appelons la théophanie. Et il abandonne ce corps. Et ce corps viendra s'écraser avec l'avion. Moi qui sera hors de l'avion pour regarder la scène. Yes, sir. Engloutir le mortel. Et il y a dit de quoi?
C'est le mortel qui regrette. Dans le changement en un clin d'œil. C'est l'immortalité qui engloutit la mortalité. Et celui-là se passe en vous. C'est pas les choses que tu aimais depuis que tu es dans la parole, tu vois pas. Tu n'aimes plus ces choses. C'est parce que l'immortel commence à mettre l'emprise sur le mortel. Vous arriverez. Vous arriverez. Parce que celui qui a commencé en vous une œuvre, il ne va pas compter la gloire. C'est Dieu qui a commencé en vous une œuvre. La chose que vous devez faire maintenant, c'est de rester au soleil. C'est quand une graine s'expose au soleil, le soleil après le travail de sécher tout l'eau qui est dans la graine. Afin que la vie soit libre de se reproduire. Que la vie est-ce que c'est la vérité? Le grand fruit s'expose au soleil. Amen. Regardez-nous les membres. Amen. Il n'y a pas une main qui fait le fort. Moi, je vais, il faut que je sois mieux. Moi, je dois. On va faire un pas de calme. Le changement de la main ne commence pas dehors. Le changement de la main commence à l'intérieur. Le propre changement. Dans 4 ans, cette main ne va plus demeurer là-bas. Non, vous allez voir que tout le monde passe. Les attaques, peu importe ce que ça, je reste là.
qui pensait que la rose croit. Et c'est la rose quoi? Il y a la femme maçonnerie. Avec la maçonnerie. Avec une grosse barre. Il y a pas de niveau. Il ne faut pas valoriser ces gens. Ça n'aime pas beaucoup. Ils sont bien. Dans quoi qu'il y a? Vous savez ce qu'ils cherchent là-bas? Regardez-moi ça quoi? C'est la maîtrise. Qui le voit ça là? La paix. Oui. L'autorité. En comment? Le pouvoir. Pouvoir. L'excellence. Voilà, il est bon. Dieu vous donne le pouvoir par un amen. Dieu vous donne le pouvoir, l'autorité par un alléluia. Mais pour vous, Dieu vous a aimé. Il vous a envoyé Élie le prophète. Pour vous ramener au commencement. Donc vous êtes en train de recevoir une autorité, un pouvoir, l'excellence, l'autorité, le pouvoir, la puissance sans pratiquer. Tout. Moi, passez-moi.
Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, ce qui va nous toucher encore, c'est celui-ci. Quand Jésus-Christ a pris cette forme, Jésus n'a rien reçu, lui. Quand il a pris cette forme, il n'a rien reçu, lui. Je cherche le. Quand Jésus-Christ a pris cette forme, Jésus n'a rien reçu, lui. Comme Adam dit, Élie et Moïse étaient là. Élie et Moïse à qui, hein? Comme Adam dit, Moïse représente la loi. Amen. On a quand même Élie. Élie, c'est la justice. Amen. On a quoi pas? Et Jésus, là Jésus, c'est la grâce. Amen. On a quand même quoi? Alors, regardez ce mystère. Non, non, on est déjà là. Moïse est mort. Moïse est au pied. 800 ans avant le Élie. Et combien c'est une fois avant Élie? Alléluia. Et il est mort aussi dans ce que nous appelons le mont Nebo. Exact. N'a pas entendu Nebo. Oh, le mont Nebo, c'est comme ça. Moi, au courant, Nebo qui a beaucoup. Ça, c'est Israël. Le Israël. Et je vous donne les précisions d'après ce que j'ai dit là-bas. Ça, c'est Israël. Non, même pas bien, tu veux. Au même on est quoi. Ça, c'est Israël. Jéricho. Et on va qu'à Jéricho. Quand on quitte Jéricho, on tient Jéricho. On arrive au Jourdain. Amen. À toi, au Jourdain. Et quand on arrive au Jourdain, on te Jourdain. On est dans le mont Nebo. Les Léotia, au courant. Le mont Nebo. Et Nebo. Ok. Amen. Suivez ces deux signes. C'est là où, quand Élie a quitté Israël, Élie ne tient Israël. Il a traversé le Jourdain. Amen. Dès que nous voulons la journée. Quand il est arrivé au mont Nebo. Dès le temps, mon couloir Nebo. Élie fut enlevé. Exact. Élie. Gloire à Dieu. On tient Dieu. Alléluia. Je vais en prendre là. Je vais vous dire des choses peut-être que vous n'avez jamais écouté. Regardez ma main, bonsoir mes pères à Claire Yoa. Frère Branham dit dans la brochure qui est ce mèche Sénèque. C'est vrai. Frère Branham tient pour Dieu dit. Exact. You make it serait pour la canne. Dit que c'est là où Élie a fait tomber sa robe de chair. Yes sir. Dit à lui, Élie, à ce moment-là, au monde de c'est-à-dire ses cheveux, ses ongles, tout ça, la partie extérieure est tombée là. Moi, je vais aller dans le bout, dans le tour, il est sorti, et puis c'est là. Et il fut enlevé dans la théophanie. Amen. C'est la pluie? Tu vas voir là? Oh, si Dieu peut l'arrêter, hein, que ça va nous aider. Amen. Maintenant, regarde ce mystère. Moïse arrive ici. Moïse, au top. Dieu lui dit, voilà le pays de promesse. J'avais arrivé mon point d'ailleurs. Mais tu ne rentres pas. Exact. Non, Karina. Et Moïse est mort là. Moïse est au coma. C'est exactement à l'endroit que Élie a fait tomber sa robe de chair. On a compris qu'il est au mort. Élie a surpris. Attends. Dis amen. Maintenant, à notre grande surprise. Ma mère qui vient, savait ma mère. Nous voyons les deux. Ça vient de mon voile. Sur la montagne de la transfiguration. Oh, je l'ai là où la vie. Je voudrais que vous me dites comment est-ce que Moïse est rentré. Mais ça, le bébé, au chemin, Moïse est là. C'est Élie qui est allé prendre Moïse. Exact. On va faire Élie. Aïe, aïe, à Moïse. Pour le ramener dans la patrie. Mon frère, le bébé, au chemin, au chemin. Parce que les deux ont un ministère à exercer dans Apocalypse chapitre 11. Bien sûr. Parce que mon frère, le chat, c'est mon frère, ça. On tient pour même se couper. Au coup, mon frère. Je pense que vous n'avez pas servi. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Pasteur, oui, oui. Je dis quoi? Élie est allé prendre Élie, voilà, il y a Moïse.
Vous l'amenez où? Moi, je l'ai pour. Vous l'amenez dans la patrie, ok? Moi, je l'ai pour. Face de deux ont un ministère à exercer dans l'Apocalypse. Moi, je l'ai pour. Je l'ai pour. Voilà les choses qui ne sont jamais remontées au cœur humain. Mais Dieu vous a fait grâce que vous puissiez croire. La Bible dit, Jésus-Christ est descendu après la prison. Jésus les disciples lui posaient la question. Amen. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? En d'autres termes, avant que tu ne prennes cette forme, Élie doit venir premièrement. Jésus a dit que Élie est déjà venu. Jésus dit Élie, mais vous ne l'avez pas connu. Quand vous regardez dans Matthieu 17, il y a trois Élie là-dedans. Élie est l'amour, état. Le premier, c'est celui qui était sur la montagne avec Moïse. Amen. Le deuxième, c'est celui qui doit venir pour rétablir toutes choses. Amen. Le troisième, c'est Jean-Baptiste. Amen. C'est pas ça? Celui qui était sur la montagne avec Moïse. Celui qui doit venir rétablir toutes choses. Et celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Dieu travaille trois fois, pardon, Dieu travaille cinq fois avec l'Esprit de Dieu. Donc si nous ajoutons le quatrième, c'est Élisée. Et si nous ajoutons le cinquième, c'est Apocalypse chapitre 11. Il y a Élie. De mon carnet, il y a Élie qui doit rétablir toutes choses. Et celui qui doit rétablir toutes choses doit venir avant le départ ou avant l'enlèvement de l'épouse. Parce que toi, Jésus-Christ se disait, Élie doit venir rétablir toutes choses. Jean-Baptiste était déjà mort. Donc ça ne peut pas être Jean-Baptiste. C'est lui qui vient rétablir toutes choses, ce n'est pas Jean-Baptiste. C'est lui qui vient rétablir toutes choses. C'est William Marie Branham. Maintenant. Je vais terminer par là, vous allez partir. Comme la première violence vient si long d'ici, je ne veux pas que vous soyez trop nombreux. Mais je pense que vous avez mangé suffisamment. C'était un repas complet. Dites amen. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. Donc, Dieu travaille cinq fois avec les fidèles, quatre fois avec les justes. Et une fois avec les gens des nations. Mais Jésus a dit que Élie doit venir rétablir toutes choses. Ah, alléluia. Mais Élie doit venir rétablir toutes choses. Il y a eu un désordre qui s'est installé. Il y a eu un sang-bord. Il y a eu une perturbation dans la parole. Alors tu envoies de lui pour rétablir, pour mettre de l'ordre. À votre connaissance. La Bible dit. La Bible dit. Je ne sais pas si tout le monde est prêt à voir ce que vous voyez. Amen. Dans le livre Actes chapitre 3, verset 19, la Bible dit. Oh Jésus. Répandez-vous.
Prophétisez-vous pour que vos péchés soient effacés, pour qu'un péché de Adisab, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jésus-Christ, le ciel le retient. Et le ciel ne retient pas Jésus-Christ pour toujours. Qui rétablit toutes les choses? Qui rétablit toutes les choses? Alors, le poisson deviendra maintenant clair. Puisque le ciel attendait au moment, le rétablissement de toutes les choses, c'est pourquoi il a rétabli qui? Toute chose a été rétablie. Et le ciel continue à rétablir Jésus. Il y a un problème. C'est pourquoi la Bible dit qu'un ange puissant descend. La Bible dit que je ne vais pas mettre là. Les gens pensent que c'est un ange. L'ange puissant. L'ange de Paris. Que ça. À tout là. Au temps du rétablissement de toutes choses. Au pire, on a sur la télé. C'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est là. Je crois à l'ouverture de cette chose. Yadio, mais la vie est un challenge. Le ciel. Yolo. Maintenant, les choses étaient après pour nous faire en sortir. À ta retour.
chanter.